Salut à tous et bienvenue sur Match Carina FR, comment ça va fou Ça va très bien toi Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour... Alors oui, oui je sais, 5C vous allez dire Ah oh, non, encore On fait ça depuis longtemps Oui mais, les gens ont trouvé un truc très subtil, très sucré Je ne vous dis pas encore ce que ouais. c'est, mais vous l'avez très certainement vu déjà dans la décliste C'est incroyable et c'est Puis... pour ça qu'on vous le présente Les gens disent encore mais franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas présenté 5C sur la chaîne C'est vrai. Ah nous, ça fait longtemps, mais c'est vrai que sur le ladder, parce que ou ça quoi, fait les gens vraiment... Le genre, pour vous donner un d'idée, ordinate... Ah bah bien sûr, mais nous, on est là pour présenter les Comment decks que les gens Comment voient sur le ladder. Alors, moi, je eh pense oui. que les gens sont contents qu'on présente enfin ce deck-là, parce que ne serait-ce qu'avec l'upgrade de Caverne des âmes, on n'avait déjà pas présenté le deck. C'est vrai. Donc là, maintenant, vrai. avec la nouvelle zanzinerie, on est légitime. Exactement. En parlant de l'être légitime, rien à voir. Mettez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. L'anticipation de confiance, ça, ça régale. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et si vous voulez faire plaisir à des gens qui, je l'espère, vous font plaisir, nous, eh ben n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci aux sponsors, ça ça fait plaisir aussi. Euh, Playing by Magic Bazaar, code valetpl 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez, une seule fois par an et par contre. Et le lien d'affiliation Ultimate Guard, merci beaucoup à eux d'avoir mis ça en place. Quand vous passez par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard autant de fois que vous le souhaitez, ça nous soutient. Donc n'hésitez pas, ça régale. Vous êtes, vous êtes quand même un petit nombre à nous soutenir par le lien Ultimate Guard, donc merci beaucoup à vous et merci à ceux qui, qui en profiteront également. Je vous rassure, si quand vous cliquez le site est en allemand, il est en français en haut à droite. Ouais, euh... il juste de le repasser en français. Exact. Double petite info, enfin, petite info. Euh, si jamais vous voulez nous retrouver sur Voct, comme d'habitude, c'est lundi, mercredi, jeudi, à... dimanche à 18h pour un maximum de plaisir. Donc, quand vous regardez cette vidéo, si vous regardez quand elle sort, peut-être qu'il y a un petit live que vous pouvez attraper comme ça. Sinon. Le prochain, ce sera mercredi. Euh, et euh, si vous voulez également nous soutenir, il y a toujours notre page Tipeee dans la description. Il y a toujours le petit pop-up qui apparaît voilà, dans toutes les vidéos, mais c'est vrai qu'on ne verbalise pas tout le temps. Notamment si vous voulez récupérer les fameux tokens parce que vous ne pouvez pas venir nous voir euh, dans les conventions, etc. Euh, bah, ils sont dispos sur notre page Tipeee, voilà, euh, dans, un, dans un des paliers. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vos noms sont toujours au générique, évidemment. Ça régale. Je précise du coup, quand vous nous soutenez sur Tipeee, qu'il y a des gens qui ne, ne sont pas au courant de comment la plateforme marche, c'est la fin du mois d'après qui valide les tipeurs. Ça veut dire que c'est le début du mois encore suivant où nous, on commence à envoyer euh, les, les tokens, par exemple. Donc, euh, ça. si vous voulez... le moment en février, où vous tipez et le moment où vous recevez votre token, il y a un mois et demi et c'est normal, c'est le, le délai, le délai correct ça. sur Tipeee. Du coup, si vous voulez prendre en février, c'est normal que là, vous ayez rien. Vous allez l'avoir courant avril. Voilà, voilà. C'est ça. Merci en tout cas à tous ceux qui euh, nous soutiennent sur euh, Tipeee, c'est vachement important pour nous euh, d'avoir le soutien de la communauté, donc, euh, donc gros big up à vous. Je précise aussi un petit truc, on a reçu enfin, ça y est, les tapis qui sont revenus de production, ils sont magnifiques, les tapis label carte que vous avez précommandés. Pour tous ceux qui se demandent quand est-ce que vous allez les recevoir, il faut savoir que nous on a un contrat avec La Poste, qu'on est obligé de faire tous les envois d'un coup, donc on ne va pas les envoyer au compte goutte On a 1000 commandes à faire, 1000 commandes c'est très long, donc on espère finir euh, ça fin mars et euh, commencer à les envoyer du coup fin mars. Donc comptez globalement avoir votre tapis vers début avril. Exactement. Parce que j'avais estimé, ouais, euh, je disais ça sur Twitch, euh, dans la première dizaine d'avril, si vous habitez un peu loin, ça sera peut-être un peu plus long, mais si vous habitez en France, ça doit être ça. Ouais, je pense que première dizaine d'avril voilà. ça devrait le faire. Exact. Euh, ce deck du coup, quelle est la nouveauté Parce que bon, on connaît, hein, on rampe avec piétineur, euh, avec spéléologie, avec invasion de zandicats, on va caster des gros trucs comme migration de troupeaux euh, et attraxa pour faire de la value. On a plein de Vras avec des populations fin du soleil. On a des antibêtes avec emprisonnement par les linlay. On a Archange de la Colère qui peut tuer aussi et qui sert d'antibête, ça fait un peu les deux. On a de la value supplémentaire avec un assaut de la tige de Haricot, comme si c'était pas assez gras. Et on a un recruteur d'Imodane. Un recruteur Dimodan, il est délicieux ce recruteur, parce qu'il crée deux jetons de deux blancs chevalier avec la vigilance, que vous allez très peu utiliser finalement, mais surtout il donne la célérité plus 1 plus 0 à toutes les bêtes, dont lui. Et qu'est-ce qui se passe quand on a recruteur et migration de troupeau Donc pour Dimana vous faites migration de troupeau, au recruteur, et bam Vous mettez 22, 23, 23 points. 23 points. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, quand euh, ça stagne un peu, qu'on se bagarre en rituel, ce qui est le cas de notamment les mirrors de 5C, et ben vous faites migration recruteur, boum, et le type meurt, et comme on pioche recruteur, ben, on, a, on fait un petit peu de value avec l'assaut, la, 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 mais surtout Atraxa ça, va chercher une créature parmi les 10 du dessus. Donc c'est pas trop dur de trouver votre recruteur. Quoi. Il ne faut pas qu'il joue à la belote en dessous du deck, mais sinon ça se fait. Ça donne voilà. un, un plan combo contre e White Control qu'on aurait du mal à grinder sinon en Aussi, fait, il y a ouais. pas mal d'apparitions de nouveaux decks qui empêchent euh, 5C dans son ancienne version de dominer le format je pense notamment à e White Control qui est capable de grinder et de gérer toutes vos menaces une à une euh, et finir probablement par vider votre deck euh, et euh, on a aussi maintenant l'avènement de Temur Control, un deck qu'on vous a présenté sur la chaîne et qui, pareil, est capable d'ignorer globalement tout ce que fait 5C dans son ancienne version. Et donc recr recruteur Dimodan, au-delà d'être une combo marrante, euh, c'est vraiment venu euh, modifier entre guillemets la texture de, de, du deck. En tout cas, c ses possibilités de gagner en fin de partie et ça lui a redonné un match-up intéressant contre White Control ou contre Temur Control, qui étaient des decks qui Aurait euh, probablement euh, eu pas trop de mal à battre euh, 5C sans recruteur d'Imodan. Donc c'est venu euh, vraiment appuyer là où ça fait mal, renforcer le deck, lui donner un autre angle d'attaque. Ça paraît tout bête, personne n'y avait pensé avant, mais pour 10 mana, tu mets 23 dans la tête de ton opo Et moi, ces petites optimisations, je trouve ça trop malin et j'adore euh, quand, euh, quand le format, entre guillemets, est tellement en, en recherche intensive qu'on arrive à ces petites optimisations-là, ces petits engrenages de méta. Je trouve que c'est fascinant et passionnant. Et, mmh. euh, et ça, euh, ça remet vraiment le deck sur le devant de la scène, même s'il n'avait jamais vraiment disparu. Là, ça lui redonne un plan contre ces decks-là qui sont, eux, des decks émergents. J'ai hâte de voir le Pro Tour Standard et à quel point euh, 5C sera représenté. Je pense Exactement. pour moi que c'est le, le plus beau deck du standard. J'adore ce deck, je le trouve. Les gens diront qu'il est peut-être gras et inélégant. Moi, je trouve au contraire que son build est extrêmement savant. J'adore ouais. ce deck. Il est, il est très très cool. Franchement moi, bon je vais pas relancer le truc, mais si Fin du Soleil ne crée pas une bête et simplement exilé de masse, euh, je trouvais ça très cool. Là c'est vrai que c'est un petit peu genre la facilité Fin du Soleil, mais le deck est, est hyper stylé notamment d'aller de, casser des Atraxa à la main pour refaire ta main et recommencer un peu la partie, mais avec une Atraxa c'est... Ouais. C'est très très cool, je, surtout avec je, je les je trouve Je trouve génial ce, ce paquet là. On a un side qui est très adapté à ce qui se passe actuellement, ouais. euh, avec sur un air de jamais plus qui va être vraiment très très bien contre notamment les decks raffines, hein, du mmh. fait que la carte puisse pas être contrecarrée. On a les triple negate bah, contre les decks contrôle, vous savez, contrôle en ce moment elle, vend, euh, elle vend en poop, Le vent en poupe un petit peu. Le cerveau de pierre contre les decks un peu combo, euh, justement, qui émergent encore plus, que ce soit les decks Sultai ou les decks Temur, qui sont contrôles avec des synergies late-game très puissantes. Les confinements temporaires contre Boros. Une petite Alèche Nord en Mirror, comme d'habitude. Ça, c'est pas nouveau pour le coup. C'était même Mendek à, à certaines périodes. Euh, et puis, on a enfin euh, l'ailier euh, de, de Kutzil, qui lui est là pour disrupter le cimetière en flash. C'est une bonne bête euh, qui va essayer de. De répondre à, à, à différentes problématiques, une carte polyvalente dans le side en fonction des matchups que vous allez affronter. Ouais, et puis c'est bien contre aggro aussi. Hein. C'est une bête qui fait gagner. Ouais, c'est ça. Donc, euh... est ça il est... Vraiment, c'est ta petite carte polyvalente, elle est là pour combler les trous. Oui, le combleur de trous. Euh, on est parti sur Later. Gold. Tac, c'est classement. déclassement. Il est là. Il est là. Donc, ouais, ce ce deck-là que les gens peuvent, entre guillemets, ne, ne pas apprécier, vous, vous avez tort de ne pas apprécier ce deck-là, c'est tellement cool de pouvoir jouer un deck comme ça, qui a à la fois mid-range, qui a à la fois rampe, qui a une synergie contrôle, qui, 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 qui a quand même beaucoup de ressources en late game. Qui est, fin, genre, ce deck-là, il coche un peu tout ce que tu aimes faire à Magic finalement. Quoi. Euh, tu joues des cartes, tu as des plans proactifs, tu as une combo upside win en late game, tu es capable de gérer leur l'early game, il, il, il est trop complet en fait ce paquet. Ouais. Alors après, est-ce qu'il est trop fort On pourra en discuter après le proton standard. Moi, je ne suis pas certain. Je trouve que le standard, il est très divers et très varié et qu'il y a plein d'angles d'attaque. Mais je le trouve très... Euh... Magic se porte bien quand on a des paquets comme ça, je trouve. Ouais, ouais. Oui, c'est clair. Si ça, c'est ton des contrôles... Enfin, maintenant, il y a U-White, mais jusqu'à jusqu la dernière extension, il n'y avait pas U-White. Quand c'est ça, ton des contrôles du format, c'est facile de l'attaquer. Tu peux, le, tu peux le rosser avec, comme Rose qu'on convoque ouais, et tout, ça et, se fait quoi. Et en même temps, il n'est pas rigide, il est très adaptable ce paquet. Ouais, ouais, il est tu vraiment veux, très cool. bah, Vu que tu joues 5 couleurs, euh, tu peux facilement y chercher euh, euh, ce qu'il te faut quoi. Je crois que c'est fine. On peut faire l'inlet tour 2. Euh... T'es es un peu en mooligan 5 quand même hein, finalement. Je ne rends. pas. Mais es un, es un peu en mooligan 5. Bah, Alors, avoir une ça c'est comme... pas déconnant, mais. Et j'ai pas mon deuxième blanc pour fin du soleil. Là, j'ai que l'inné je, je crois que tu mouligan en fait. C'est mieux. Ça, ça paraît moins bien, mais c'est mieux. C'est pas bien, mais c'est mieux. Voilà. Euh, je vire une caverne. Enlever une caverne. Ouais. Ok. Ah, ça paraît vraiment moins bien, mais c'est mieux en fait. Je crois que ça c'est mieux. Oui. Enfin, en, en Mendex, ça change rien. Après, Side, ça aurait été probablement Zatora pour avoir ton anti-bête noir à deux. Ouais. Ça dépend si je veux l'anti-bet ou le ou le contre. Ah. Et du coup je dois l'en déengager pour le jouer spéléologie. Ouais, c'est pas grave. La tige de haricots, t'as pas besoin d'en profiter maintenant. T en profiter non, plus non. tard. Alors là par contre on tombe sur quelque chose, de, sur quelque chose quoi. Le joyau énigme, bah sur quelque chose d'énigmatique. Ouais. Soit. Pas de, pas Alors j'ai déjà affronté Mais ça il y a fort longtemps, je me demande si c'est la même chose, c'est un espèce de deck euh, un peu combo draw discard avec Joyonic justement. Ça me plaît, hein. là le standard il est en train de vraiment renaître de ses cendres, il était un petit peu laissé à l'abandon là récemment et euh, vous voyez ce que les gens font, les pros commencent à tester. Moi je regardais Gabriel Nassif jouer hier soir en stream, il jouait un deck euh, Dimir Reanimator combo avec Renact the Crime et Breach, euh, ça on va vous le présenter sur la chaîne évidemment. Et il oui. se passe des trucs en ce moment, ça me régale. Hein. On il peut activer la salle. Incroyable. Euh, bah que du Ziatora. Ah je pouvais choisir de faire arriver engagé ou pas. T'as double, double tige, t'es très bien ici. Hein. S'il joue pas un deck turbo combo, tu, tu vas pas se passer grand chose quoi. Et t'es rien que vous contrôlez, je suis en mode dégagé. Pourquoi il arrive engagé quand même du coup Bah tu choisis visiblement. Euh, tu peux d'abord piocher. Je euh, auras peut-être l'info d'un autre land, tu vois. Ouais, effectivement. Là, on est pas mal fixé. Mais... Ah, nickel. Euh, mais je vais ouais, encore. Pas très grave. Ouais, ouais. En fait, tu peux vraiment ignorer tout ce qu'il fait tant qu'il te met pas de pression, lui. Il hein. y un moment, tu vas trouver une vraie. Et... et ciao. Oh, le recruteur. Les terrains que vous contrôlez sur ma chambre on est d'accord bah, Ouais, ouais. Je sais pas ce qui se passe. Et oui, je, je ne sais pas. Et je prendrai l'autre côté pour voir. Attends, mais fais-moi lire. Les terrains que vous contrôlez arrivent sur ma taille dégagée. Bah, tu prendras l'autre côté. Ouais, ça doit être un bug. Je n'ai ouais. pas, pas l'info. Tu vas draw deux sur recruteur le tour d'après. C'est quand même plutôt, plutôt mignon. C'est pas mal. Il va bien recruter. Il va entraîner les troupes. En Entrouper les traînes. Ah, il fait ça aussi lui. Ça bouille Bouit hein. Ouais ouais. J'ai un peu tendance à m'en foutre là de ce qu'il fait mais, mais ok. Enfin t'es à 20 autour 6 donc. Euh, ça va quoi. Ça n'a pas l'air d'être le, le bail du type. Bah, je pense que le bail ça reste quand même de générer un board très large, mais, euh, mais le temps qu'il le fasse, tu seras... Euh, tu seras anti bête de masse préparé aura perd. bip perde bip j'ai draw 2 ou oh, je mets trois. Euh, attends ça paye mal il faut que tu gardes un blanc pour avoir une gestion donc il faut que tu lances forêt que tu fasses recruteur et tu peux trouver binding du coup est-ce que ça paye bien non ça veut pas hein. ça veut pas payer bien ah mais f... c'est tr... c'est toujours chiant pardon go Il n'y a plus trop de cartes en main, bon après il peut double -dou 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 discard. C'est con parce que si euh, ça ça marchait comme il faut, je pourrais lander des tapes pour jouer à ça à tour, tour prochain. Bah tu vas lander des tapes, hein. on va juste cliquer de l'autre côté je pense. Bon là j'ai cliqué deux fois à droite, ça marche pas, donc je vais cliquer à gauche. Ouais tu vas cliquer à gauche, et si ça marche pas, bon bah c'est pas grave, on part avec un handicap. De toute façon le deck est fort, euh, on s'en sortira. Ouais c'est pas grave, si pas grave si on joue des cartes dont le deck ne marche pas c'est juste pour 3 manas piocher une carte euh, su... ah non mais c'est super chiant mais qu'est-ce que tu veux que je te dise si c'est le cas on va ah, on quand est même essayer de gagner quoi. on est battu 1, 2, 3 4, 5 manas finko j'ai envie de jouer ça là pour lui mettre 9 sur d'après boum dans ah, les je gueules lui mettre beaucoup plus pas d'attaque je tente Attente, bah, on verra bien ce qui se passe. ouais. Ah, ben bah voilà, fallait cliquer à gauche, tu vois. Vous voulez qu'il arrive engagé ou PL. dégagé euh, Dégagé, d'accord, il arrive engagé. Euh, du coup, engagé Ah, ok, il arrive dégagé. C'était pourtant clair, BL. Enfin, Merde. C'est parti. Oh, Regarde-moi cette gloutonnerie là, putain. Incontrable. Magnifique. Draw 2. What else Ah, bah c'est facile de piocher les tiges de haricots du coup. Euh, les lines, Premier oh, Tu peux prendre n'importe quel terrain. Pourquoi une île Oui, c'est vrai que ça arrive d'étape maintenant. C'est bon, on a craqué le code. C'est ça. Earth Migration, dépopulate. Ouais, tu prends tout. Euh, non, c'est Earth Migration ou dépopulate. Ouais. Euh, Earth Migration, puisque tu as ta combo. Donc, ça. Je vais défausser de la petite carte. Pas d'attaque. Il fait un get lost ici, probablement. C'est bien de faire une marée de tokens, mais si t'as pas les landes pour les animer, ça me paraît pas, ça me paraît pas brillant, quoi. Mm -hmm. Mais je suis pas sûr que ce soit marée de tokens le plan. Depuis, bah, c'est quoi, euh... c'est quoi alors le plan Mais je sais pas trop. Je pense que Joyo, euh, il doit pouvoir faire des trucs avec ça. Pour, pour moi, c'est, bah, avec Joyo, ouais. il va activer ses tokens gratuitement. C'est ça le plan. Il joue attraque ça Fin du Soleil, donc c'est quand même. Comme particulier quoi, ouais, ouais, non, ouais, ok. Il joue Renact the Crime, peut-être qu'il joue Renact the Crime, mais il a pas l'air d'avoir la mana base triple bleu pour ça. Hein. Bah, il fait plein de trésors donc, euh... ah, peut-être qu'il a Renact the Crime à l'intérieur. Il a un plan de jeu un peu boubou, artefact et il réanime des Atraxa qu'il aurait des fossés avec son. C'est possible, c'est très possible. Ça serait marrant. Ça nous poserait quand même pas forcément de problème ici, mais oui, puisqu'on fait Atraxa à la main, nous, donc, euh... ouais. Donc okay, il pas de galère. faut se rappeler, il hein, faut le dire qu'il arrive engagé pour qu'il n'arrive pas à dégager. Oui. Pas engagé, pardon. Oui, mais c'est bon, on a, on a le trix. J'ai l'impression qu'ils disent, vous voulez pas qu'il arrive pas comment Et Je veux pas qu'il n'arrive pas à engager. Ok, il arrive la double à négation, moins par moins, ça fait plus. Eh oui. C'est évident. Ouais, non, c'est bien de la merde. Je relisais pour être sûr. Euh... Quatre, cinq, six, sept, ça, ça, j'ai pas trop envie comme il a ça. Non, non, ouais, il a des bras. Faut que tu le, faut que tu lui mettes la combo dans la teuté. Hein. Je crois que tu refais juste attraque attraque ça, ça et, vais défausser, et quoi ouais. Ah oui, mais tu vas défausser du caca. On s'en fiche de tes invasions et de tes taupières Ouais, parce que je peux juste mettre des, des taupières qui font chercher des nantes, sinon. C'est bon moins bien. Je suis Team ça mais. Allez, Team ça tu vas piocher, aller chercher tes landes. Je suis plutôt chaud pour ça, moi. Peu petit ils allaient chercher les landes sinon. À la main. Oui, non, mais là, tu proposes une menace tout en allant en, 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 en chercher quand même tes landes. Je veux dire, ça se substitue au topière pour le fait de trouver tes landes, quoi. Arcoge, emprisonnement. Plaine. Du soleil. Ou quoi que. Je vais prendre deux migrations. Ouais, J'ai ouais, en main. Pense, normalement, la migration elle est censée tuer, donc non. Ouais. Ok, euh, tu veux que je fasse ça pour défausser une carte de moins ouais, ouais, complet, ouais. Enfin, tu vas en, pioche, tu vas en défausser une de plus, euh, du coup, mais. Ah, oui, c'est vrai. C'est pas grave. On va se mêler. Mais Il le tour d'après, tu peux avoir l'étal. Je lui enlève quoi Son joyau ou ça Son joyau, on s'en fiche, non de... Du requin Ouais, je pense qu'on s'en fiche du requin, T'enlève le joyau. On sait jamais. Je pense que c'est ça qui lui fait. Ben, je crois qu'il peut activer tous ces, euh, tous ces machins euh, gratuitement. Hein. Pas d'attaque. Non, il fait juste deux mana euh, quand il engage Ça, ça a alors... pas un autre effet okay. J'enlève ça. Un archange, pétineur. Pétineur. On enlève tout, invasion, toutes les tiges. tiges. J'ai 6 là Ouais, c'est bon. Euh, alors, joyau, il arrive engagé, il fait 2 mana que pour les capacités. Et il peut le façonner avec au moins 4 quatre, euh, quatre non-terrains avec des capacités activées. Au moins 4 non-terrains, il manque un mot là, les mecs. Hein. Ok, ok. Quatre... les quatre 4 non-terrains parmi les autres permanents que vous contrôlez, d'accord. Donc, 4 axes à la main. Ouais, que tu vas juste emprisonner. T'as combien de cartes dans ton deck On pourrait mourir. Euh... 9. Ouais, ça va, tu vas pas mourir. Ah, on voit un peu ouais. plus clair. Tesret. Ah ouais, tu... moi ah. franchement, Tesret, je ne vois pas plus clair à ce qu'il fait. Hein. Aïe, comment ça ça se précise Tu vois que c'est vraiment dans le plan artefact. Oui. Oui, mais t'as vu Tesret, te fait Ah bah c'est bon, j'ai compris. Et moi je suis en mode euh, Ah bon T'as compris quoi Non, c'est plus clair. J'avais pas compris. Ouais, mais... ouais je ne suis pas sûr quand même. Hein, mais... je, je sais pas trop non plus où il va le type. Je vois que c'est très euh, grindy, hein, mais je pense que nous on est capable un peu d'écraser ça, quoi. Ouais, en tout cas il prend pas Blood Moon. Je peux te le dire. Non, non. moi ouais, je vais rentrer ça dans tous mes decks. En décès. Pas prendre Blood Moon. Euh... Allez, on va exiler Atraxa. Phase d'attaque. Tour d'après, t'as dit mana, tu seras bien. Ce sera bien Kokeng. Bien Kokeng. Il a tué la nôtre. Il a pas tué la nôtre. Attaques. Quand même. Il est bien un ce triomphe. Je te propose un archange sur son sur son rocking. Zou qui est noir, qui rouge, qui est Bonsoir. Oh, je mets face. fait, on met 23, il est à 21 avec des bloqueurs. Ouais, combo, ouais, mais pour ça, euh, euh, plus, bah, plus tu mets du board et, et plus tu, tu mettras pas 23, là, tu vas mettre. Euh, je vais mettre plus. Tu vas mettre 29 et 4, tu vas mettre 33, là. 30 tours d'après. La combo. Euh, tour d'après, s'il fait, euh, il fait ça, faut d'abord que tu pioches un, un binding. Mais, euh, mais ah ouais, je peux pas, pas combo dans trop la trop tête ouais, tu peux combo je dans peux. la tête, mais il a ça en bloc, quoi. 23. Donc, il a une 7 Il, a une 7 il en Donc, bloque il un. Passe à 28. Il enlève le plus gros, c'est 4. Mais il prend 6. Hum... Donc 23 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 33. Euh, et lui, en fait, il faut imaginer qu'il a 14 points de vie de plus. Donc il a 35, à, on le laisse à 2 uh oui. Donc c'est grand ça Mais attends, mais il joue combien de cartes son deck Il joue 82 cartes <laughs> Il joue 87. Comment, comment, il ah. fait comment il fait pour avoir euh, autant de, de cartes diverses et variées C'est vrai que ses cartes sont diverses et variées. Tour. Et tu fais migration, tu pioches binding et on n'en parle plus. Oh, quel dommage, cet archange. Non, mais t'es caté là, combotte le tu le mets à deux, on s'en cague. On s'en cague Ouais, ouais. Domain. The Domain. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. J-mode. Attention, pas crever non plus. Hein. Attaquer avec tout. Normalement il est à deux, tu le tues avec Archange, Face le tour d'après, donc ça devrait bien se passer. Oh il y a plus. Il est à plus. Ah ouais, il bloque 4, il est à 6. À ah, 6, tu le, tu le tues plus. Bah, surtout, il va gagner 7 avec ça encore. Ah, je crois qu'on avait déjà compté euh, le comeback. Non, ouais, j'ai compté bien. juste là, là. Ça, ça sert à rien. Euh, alors, en même temps, non, parce que. Ouais, non, si, ok. De quoi Ok, ok. Non, non, c'est moi, je réfléchissais à un truc. Après, on a quand même, bo quand même un board. Hein. Bon, on a plus de board. Il reste que 2 mana. On va garder un beau de 2 Celui-là, je suppose. Un 3-3, il est gentil. Il est gentil. Pourquoi il nous laisse un 3-3 Pourquoi il fait ça euh, On va juste fin du soleil et. Fin du soleil et quand je tue Arrange. ça. Ouais, c'est très bien. Oui, je peux. Je peux. Il est vachement grindy son paquet en vrai. Ouais. Il a tellement de, de gras quoi. Ah super. C'est un peu tard mais c'est là. Tour de raffine. Hop. Euh, je mets deux fois. Ah, deux oui, fois tu deux mets ou. Deux mais... face. Ouais oh, ouais. Ok. Que je pouvais aussi garder pour euh, Linley. Bah bon, tu pourras faire une Linley à ton tour. Je pense que c'est pas trop le mana qui nous manque. Bon. 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 Bon Genre là tu veux optimiser tous les dégâts. Hein. J'ai peur qu'il arrive à nous temporiser et qu'on perde au deck. On a encore 20 cartes, ça va mais Ouais ouais, mais je sais pas combien de fois il est capable de faire revenir son Atraxa. -ça. ça joue quoi là la battle qu'il a dans la main Ça réanime euh, une bête. Mais ça c'est Atraxa. Bah, donc attraque ça quoi, c'est ça qui est un peu chiant. Ça anime plein de je crois. Ah, c'est permanent en non-bataille. Ça réanime beaucoup de choses. Plus réanimer ouais. la Zav, on serait dans la merde. On reprend pas notre Imodon du cimetière, nous jamais. Non. Jamais, jamais ou. Je sais pas comment tu le reprends, mais. Mmh. Oh, et il retourne ça. Je sais pas trop ce qui se passe dans cette game, mais ça m'amuse. C'est rigolo. Ouais, ouais. Mais il va se prendre fin du soleil là, ça, ça te paraît. Ouf. Ouais, ok. Ouais. Ça fait quoi ça quand tu le retournes ça fait un buff peut... de jetons 1 euh, plus 1 plus 0 et il fait des jetons d'accord bah on va brasser son board du coup euh... au petit poulet tiens et on va aller taper la, la vagabonde avec notre token euh, lui il a pas la haste hein. non c'est lui ah oui non mais putain tu tapes pas très bien la vagabonde bah je tape un peu quoi tu tapotes. Je tapote. Est-ce qu'il faut pas casser son enchantement là avec ton beau zéjou Il a l'air relou son enchantement. Il fait quoi maintenant Tous les tours il va nous. Tous les nous tours il fait une de un fly ouais. Ouais pète, pète moi ça. Hein. J'ai vais péter ça alors. De points Est-ce que je vais pas face en vrai là euh, Il va te gérer il va te mettre des ouais. ouais. Non c'est un peu long là. Je sais pas. Ouais, faut, euh... ah, en faut fait, comme je, connais pas, comme je connais pas son deck, je sais pas trop à quel point on doit avoir macro ou pas. Je vais le mettre à 6. Ah bah non, mais il peut me tuer mon token sinon. Ah oui, de toute façon le faire. Parce que s'il gère pas mon token, euh, j'ai 6 points moi pour le board. Et j'ai de quoi gérer ouais, ouais. un bloqueur. Bah vas-y, Boseige son machin. Tiens, je casse ça poulet. Euh, j'ai pas envie que tu fasses des trucs avec. Et j'y fais un petit piétinaire hein. Et tu mets un petit piétinaire ouais. Et tu fais to find je pense pour pas vider trop ton deck. Ouais, déjà faut qu'il y ait encore des trucs. C'est pas sûr. Ah si on avait encore. Deux migrations, Atraxa, Archange. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'elle revient, Cocotte. Ouais, bon. Comme ça, sa fin du soleil, elle tombe. Ça veut dire que mes migrations trouvent. Ouais hausses, mais ça c'est bien, voilà, maintenant, maintenant t'as tes migrations qui sont là. Il a passé combien de fin du soleil Fais voir deux, je crois. Ouais. Ok. Et en exil, il en a combien euh, En exil, en a zéro. Ok, parce qu'il aurait pu en. Il aurait pu en avoir. Il a re plus un autre ange. Non, il a plus. Il a fait quoi là Il a plus un dans le vent. Il Y a pas un truc qui a disparu là J'ai pas vu ce qui a disparu. Comment je peux voir Dans l'exil, je pense, non dans son exil, peut-être Non, peut-être qu'il a fait dans le vent. Ok, bah écoute, on va juste migration, nous, tranquille. Ouais, bah migration, il fait moins 4. C'est un peu chiant. Ah si, il a plus un, le, le token incubator. Voilà, c'est ça qu'on avait. D'accord. Après, on peut le. Si jamais on admet que c'est super relou, on lui exile, hein, mais. Ah, il a. T... Ah oui, ok, il a plus un autre token incubateur ah, ouais. c'est bon, je l'ai. Ah, je me demande si on va pas gérer sa vagabonde, là. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, oh, ouais, on va, on va essayer. Et en même temps, si tu fais ça, tu gères plus à traque ça. T'es t'es le. Ouais, le problème, mais là il fait moins 4, Je le refais. Si la fin du soleil, c'est chocolat quoi. Vas-y, pète lui, euh, pète lui la, la, la vagabonde alors. Je crois qu'on a on a un peu mis tous les œufs. On aurait peut-être dû attendre d'avoir l'étal. Euh... On aurait peut-être dû attendre binding pour jouer imodan et ne le jouer que quand on a l'étal. Ouais, on mais avait l'info de la. Bah, on avait l'info de la vagabonde, on aurait pu... Euh... Ne pas, ne pas commit le board, ouais, sachant qu'on allait perdre. Ouais, c'est ça. Je, je pense qu'on aurait dû. Euh... En fait, le mettre à deux n'était pas suffisant. On aurait dû attendre d'avoir l'étal et probablement que ça aurait suffi en plus. Écoute, tu peux spéléologie si tu veux. Tu vas avoir une carte oui. de plus. Voilà pour le coup. J'espère qu'un basique ça arrive dégager. Je vais peut-être recycler un triland aussi. Ouais ouais bah là on va essayer de trouver quelque chose qui nous permet de passer à travers son attraque, ça Parce que moi il faut juste que je connaisse une fois mon archange, il met euh, quatre à distance. Mon dernier. Ouais. Et j'ai encore un emprisonnement Tu T'as encore un binding, ah ouais donc tu peux aller le mm. chercher sur 11 cartes en vrai. Fais voir clic sur le deck, t'as pas le, la position tu, tu connais pas la position là Non. Non on a OK. Avec le pitineir. Requen Ah là, il met des bloqueurs. Ouais, mais il prend quand même 3 dans la trône ici. Hein. Ok, et ah bah ouais, surtout s'il fait pas. S'il fait pas un 4-4. Ouais, tu vas recycler en masse. Hein. Ah ouais? Bah ouais, je pense qu'on va accepter de la perdre à la meule, ou alors au moins tout donner pour essayer de finir, quoi. On va y arriver, hein On va aller chercher. Mais ah n'empêche oui. que son deck, il est, il est amusant. J'allais dire pourquoi il paye pas de mana, mais parce que c'est gratuit avec tes Du coup, il regagne un trésor, donc il peut. Il a okay. toujours que 4 bloqueurs, mais. Est-ce que ça, ça peut te donner l'étal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut 7 et 6, oui. 13. Donc oui, Atraxa va forcément trouver mon ange. Alors, Donc, je teste. Je te laisse appuyer sur full attaque. Ça me va très bien. Attaque all. Tu pourras aller dans des cavernes pour protéger à la fois ton ange et ton ange Je protégerai mes deux anges. Parce que là, si on perd sur une botte dédaigneuse, euh, je me fous en l'air. Bah, euh, oui, oui, mais il faut, De hein. toute façon, euh, je serais parti avec toi, dans le mouvement. Je serais accompagné. Allez, prends 3. Je te demande juste une chose, prends 3. Juste prends 3. Mec, il prend 3. Mec, Et là 3, il joue là. revitalize, imagine, imagine il joue revitalize. Je, je passe à un autre adversaire, je veux pas jouer contre ça moi. <laughs> T'es dans le side, je te foutrais un deuxième Imodane contre lui, ça irait très vite. Oh. Ok, il a pris 3. Allez, caverne ange. Caverne. Ange. Oula. Ok, il me fait peur le jeu. Il me laisse une caverne, c'est bon. Est-ce qu'il te laisse payer correctement déjà Oui. Oui. Draw. Oh je vais de l'ange à la main, à regarde, comme un grand. Pas du tout. Je prends l'ange et je prends le binding. Ah oui. Jamais. Hein. Ah oui oui oui. Confirmer deux. Ange face. Ange. Kikurikiki. Kikurikika. Il se donne lex en réponse. Moi c'est ce que j'appelle une game rondement menée. Il peut activer son truc gratuit, donc en vrai il a 5 mana. Ouais, non, Allez vrai, je fais le malin S'il mais... te plaît, meurs. Ça, ça suffira pas. Allez. Pan. Bon. Ah merci eh ben, Merci One je... Freeman. C'est la Waku. fin de cette vidéo. C'est une vidéo de BO1. Je sais pas pourquoi ça affiche le side. Pouce bleu, commentaire. Pas... Non, pas vrai. Alors... Je crois que je vais des contre lui. Il a plein de spells non créés. Je crois que tu veux des confinements temporaires. C'est corner mais ça marche. Euh, ah, c'est pas, pas corner. Tout son deck c'est un milliard de game GameObjects. C'est Salfort qui fait ça. Mais le reste de son deck c'est pas... Ça prend pas trop quoi. Ouais, je, je pense que c'est quand même bien quoi pour le coup. Ça, si on veut pas qu'il réanime, mais j'ai pas l'impression qu'il réanime beaucoup non plus quoi. Non, je crois pas. Je crois qu'il casse à la main en fait de, de par, de par mmh. le, le board qu'il crée. Cerveau de pierre. Cerveau de pierre, pff, il a quand même plein de menaces. Hein. C'est assez divers et varié. Je mettrais pas cerveau de pierre contre si, lui. Si je dis Atraxa et Tezret ou Atraxa et Roquin, il est pas content mais tu peux dire Sunfall aussi est-ce qu'on a Sunfall bah en fait qu'est-ce qu'on veut pas en fait déjà de tu populate. veux pas des Populate ça c'est naze Spellology ah, ça, ça marche pas donc <rire> <rire> ah, ça bug je le, je le cut <laughs> euh, tu peux enlever une petite tige euh, je pense que je pense qu'on a vu qu'une oui. ou deux ça suffit bah, j'ai pioché les quatre donc je peux en enlever deux hein. mmh, non peut-être pas ah, je resterai euh... quand même à trois en vrai je suis vraiment bouillant pour enlever Spellology euh, sans, sans blague en fait ouais bah, c'est c'est que tes pour 3 droit, 1, c'est pas fou quoi. Euh, et peut-être un piétineur, c'est genre vissé au sol, non, il fait plein de, de c'est très log. vissé au sol, ouais, c'est vrai. On va un peu moins ramper, on va se la jouer un peu grindy control et euh, Ouais, pas de galère. Et let's go, let's go, let's go. de bah, toute façon, si tour 3, tu veux confinement, tu vas pas ramper. Donc euh, idéalement. Ouais. On joue contre un homme libre, un seul homme libre. C'est vrai, il est le seul. hein. C'est voilà. le seul à être libre. Ou alors, il s'appelle Morguan euh, Freeman. Mais parce que nous, on est tous euh, enchaînés. Ah oui, on est pieds et poings liés. On est points et C'est délicieux comme main, ça. C'est bien. Il n'y a pas le side. Mais euh... Oh, fun fact je voulais te le dire pendant un live vote, mais je vais te le dire maintenant. Oui. Te rappelles-tu de, de la légende de la one-card side que je me prends euh, deux fois d'affilée et qu'on me dit c'est le side oui. Je l'ai raconté sûr. à Baptiste. Et euh, pendant, bah, j'ai fait la Coupe de France de Popper, débrief sur la chaîne TV si vous voulez voir ça. Et ben bah, euh, j'ai joué contre quelqu'un. Et il a touché son side et pas moi. Et il ouais. m'a dit, ben bah, ouais j'ai touché mon side et c'était cette même personne. Mais en même temps, franchement, il a un peu raison quoi. Mais Parce il a raison. J'ai sidé, j'ai trouvé mon side quoi. J'ai pas joué euh, contre cette personne depuis longtemps. Et le fait que la, la première occasion, on reparle du side, qui n'avait rien à voir, mais on en reparle, ça m'a fait rire. J'ai adoré. Il est, est peut-être vraiment fan du side. Hein, ça, il est, est fan du side. Pas dans tous les TCG. Euh... Mais c'est... Ah, genre, c'était euh, un beau clin d'œil de la vie, tu vois. Un ça m'a régalé. Beau tiros, bon. mmh... Je vais migrer mon troupeau. Tu veux non, que j'enlève ça Non. Fou. Non non tu vas tu vas migrer ton troupeau pour aller chercher une forêt mmh. ça là si t'enlèves ça c'est genre c'est un aveu ah ouais N non c'est pas un aveu c'est genre son deck existe il est dans le meta game et on sait comment faut jouer contre et ça lui donne beaucoup d'importance de faire ça tu vois oh je croyais que t'allais me dire euh, gérer ça ce serait lui donner du crédit donc non mais ça lui faut donne pas beaucoup lui de crédit c'est exactement ça attends mais là par contre non 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 non, 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 non. tu Gère vas tu vas péter le requin là ah je pense que... ah ok non bah je sais pas hein. j'ai dit et comme on parlait je savais pas bah, Moi, du je coup, pense. je fais pas piétineur, mais. Avec requin, voilà. au moins, c'est géré. Voilà. Et donc, ouais, ça lui donne quand même énormément d'importance que de gérer sa salle de trésor. Euh... Ah non, non, je pense que tu vas chercher ta forêt et tu la poses. Mmh. Pour avoir piétineur le tour d'après. Mais bah, je peux pleine et poser ma forêt le tour d'après, non Ah oui, si tu veux, oui. Ah oui, tu fait, peux le... ah, tu... ah, oui, oui, non, mais c'est bon, ok. En gros, là, je fais pleine, passe. Ouais, ouais pleine passe, c'est ouais, bon. Et, tu, et tu je vois, gère ça, si. S'il y a un problème. Il y a un problème Non, non, monsieur, toi, bien. Ouais, je pouvais pas avoir une île, Une île T'as surtout beaucoup, beaucoup de plaines, quoi. Nickel. Comme ça, je vais faire piétineur. Chercher une île. Ah, d'ailleurs, on a mal joué. On aurait dû aller chercher une île quand il joue son requin. Pour faire piétineur euh, emprisonnement que ça marchait. Non, ça marchait pas. Je dis n'importe C'est pas unique. Je cherche aussi une forêt. Je me suis embrouillé. C'est bien que tu m'aies pas parlé. Bah. Oof, non, non, mais je. Je me suis dit, ok, je vais le. Je vais laisser se rendre compte. <laughs> je vais laisser se rendre compte. Ouais. Non, mais même. Ah, je en pense plus, que tu avais pas compris je, ce que j'ai dit. Tu dis, oh, non, voilà, de la merde. Voilà, exactement. Non, non, j'étais pas dans la VM de. Il, il va se. Il va se rendre compte. J'étais plus en mode. Je comprends pas ce qu'il dit. Bon il je, doit être encore bourré, il est déjà je... 10h01, c'est normal. Je, je ne sais pas faire. ce que tu veux me dire. Donc dans le doute, je te laisse aller au bout quoi. Je sens qu'il veut communiquer, mais je peux pas lui rendre l'appareil quoi. <laughs> je n'y suis pas quoi. Alors je peux faire un truc marrant. On va la rejouer quoi. Jusque là. Il prend pas son plaît Il est beau fatigué. Pourquoi il fait quel... ça Ou une Freeman là. Il va avoir le champ libre pour gérer piétiner Pétinaire. Ah oh, c'est marrant. Il peut draw discard, faire un trésor l'animant. En... Oh il s'en bat les couilles. Il s'en bat couilles. Et il en a rien à foutre euh, car. Il pouvait animer son trésor en 4-4. Mais. Ouais ouais. Ça importe peu. Ça intéresse peu. fin du soleil je suis team on va prendre son teseret je, je viens je, on se la joue un peu agressive celle-là tu vois ou pas genre on prend le teseret tour d'après attraque ça j'ai pas le temps je sais pas si t'as du temps moi j'ai pas le temps là ce matin euh, je peux faire d'autres choses de mon temps donc ouais on va, on va se jouer comme Beckham j'ai pas le time il a pas de mana il a pas de ressources son deck il sort à l'envers ça sent le P mouiller, cette histoire vas-y bourre moi ce malotru tru. passe à autre chose eh, est-ce que let's go on a déjà donné beaucoup trop d'importance à ce deck-là, si tu vois ce que je veux dire. Oh, on passe platine là-dessus. putain. C'est incroyable. incroyable. Génial. Alors, je suis désolé, One Freeman, je pense qu'il m'a entendu. Je ne voulais pas être à charge contre toi. C'était pour le spectacle. On est showman. Pense... Euh, business is business. Faut pas nous en vouloir. Je pense qu'il a mal ah. pris. Excuse-moi, je savais pas que le micro était open. Euh, coup... Je me serais gardé de, de te blesser, évidemment. T'en voudrais pas un pompier qui est à un feu Il fait son boulot. <laughs> eh ben nous, on a fait notre boulot. On a juste voilà. fait notre boulot. Je te remercie pour cette faut, comparaison. Faut laisser faire. D'utilité publique. Tes... Oui, oui, bien sûr. Et <laughs> eh bien, ce deck, il est bien. Hein. On a montré la combo <laughs> qui a pas tué parce qu'on a joué c est c est un grave. peu nos couilles, mais c'est ouais, pas grave. A... Franchement, c'était beau. Bien, le deck de, de l'OPO était beau. Notre deck était beau. Franchement, c'est une vidéo Donc, qui est belle. Le but de cette vidéo, c'était juste de vous dire, regardez, on peut mettre un Imonade dans le deck et ça marche grave. Et ça et a ça marché. Marche. Mais ah, tu rigoles, par contre, je reviens un peu sur le, les prémices ouais. de ce que je raconte en début de vidéo. Il n'y a pas Imodan dans le deck, il nous tue le gars en face. Hein. Il, on ne le bat pas à la gamme C'est vrai qu'on l'a mis low life, et ce qui nous a permis de le tuer en définitive. Ouais. Gros, il n'y a pas Imodan, il nous grind mm. de l'enfer. Mais on aurait pu le faire à un moment donné ou juste ça le tuer. On, aurait, on bon. aurait pu mieux le faire. On aurait pu mieux, faire. mieux le faire. Voilà, donc ça y est, 58 cartes et 2 spéléologie pour le, le, le challenge. Ouais. Pour piocher. Bah, C'est spirale de croissance dans le deck. Ouais. Donc euh, vous avez vu quand ça vous demande vous voulez qu'il soit comment votre terrain je suis à je suis à deux doigts de mettre tuto dans le titre tuto euh, comment euh, trixer arena <laughs> Incroyable. tuto spéléologie on va avoir un maxi buzz dans la sphère euh, bah, des spéléologues du coup ouais. ils vont se dire mais attends c'est pas du tout de la spéléologie là, de quoi ils parlent et après ils vont ah ok ils sont cons ah, voilà, je ils peux ils mettre sont un sont pouce cons. rouge et partir délicieux fin de cette vidéo du coup pouce bleu commentaire partage abonnement Réseaux sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch Valpell Magic Arena FR. et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.